J'ai lu et j'ai appris les faits, l'histoire, et puis je me suis dit, je ne suis pas un documentaliste, je ne veux pas faire un documentaire, je veux parler, je veux essayer d'exprimer ce que je ressens. Le défi était de trouver un ton juste, de ne pas être au-dessus du sujet et de ne pas donner des leçons aux gens, mais de respecter les gens. Comme je voyage beaucoup, je crois vraiment qu'il y a un langage universel. Et ce langage universel est une peinture, c'est du théâtre. Et ce n'est pas des mots, c'est ce que les gens voient, ce que les gens ressentent.